What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est sur l'avènement les gars. Ça vient juste de sortir, la mise à jour vient juste d'être terminée pour ma part. Je viens juste de finir de la télécharger. Du coup j'attends les potes qui sont en train de finir de la télécharger à leur tour. Et en attendant je me suis dit allez, je vais directement aller faire un petit tour chez Tess et Vriss. J'avais acheté de l'argentum en avant, je savais qu'il allait avoir les trésors bien évidemment. Du coup c'est parti, je vais pouvoir en acheter. Alors attention, un trésor coûte 200. On a les 3 pour 500 évidemment, on a les 5 pour 800, on va acheter par 5 les gars, donc j'ai 2300 argentum. D'ailleurs c'est un petit peu con parce qu'on peut pas, parce que évidemment 3 x 8 ça fait 24, donc ça fait 2400. On peut même pas en acheter 15 en fait, j'ai pour en acheter que 10, du coup il va me rester un petit peu d'argentum. Voilà, c'est un petit peu dommage, bon je prendrai peut-être une petite emote ou un petit délire comme ça. En tout cas voilà, c'est parti, on va ouvrir 8 trésors de l'avènement. Alors j'espère vraiment avoir des trucs assez sympas, on va regarder ensemble ce qu'on peut trouver dedans. Tac, ils sont ici, trésor de l'avènement. Alors attendez, par contre, je ferais peut-être bien de faire une place ici. On va supprimer ça, c'est pas grave, voilà, hop. Alors, 10 trésors de l'avènement, donc c'est parti. Donc, contient forcément, donc coiffe du givre, hop, robe du givre, ok. Bottes, etc, etc, on va inspecter pour voir un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Ok, c'est une petite armure assez sympathique. On verra par la suite, donc on a également obligatoirement un passereau. Donc là, il y en a pas mal, luciole, ok, il y en a des assez jolis. On a des ornements également pour les armes exotiques. Alors apparemment, les ornements, on ne pourra plus les avoir chez Xur. Il va falloir uniquement les looter en fait à travers les différents trésors. Donc voilà, là, il y en a pas mal. Vous voyez, fuseau noir, brise-glace, dernière parole, chardon et mort rouge. Donc là, c'est uniquement en plus les nouveaux, les nouvelles armes. Voilà, les nouveaux ornements qui arrivent. Donc ça, ça fait plaisir. Et on en aura forcément un à chaque trésor. Donc ça, franchement, c'est pas mal. On peut avoir également les nouvelles armures qui sont assez jolies. Ouais, vous voyez, franchement, c'est stylé. Voilà, oh là, arête cristalline. J'aime beaucoup, franchement. Alors, j'espère en avoir une. On a des ornements ici. On a rebut de neige. Objet à usage unique. Donc, ça, on verra si on arrive à l'avoir. Souvenir du pic. Ok, je pense que c'est quelque chose qui se met sur la tête. Vous voyez, comme une tête de bonhomme de neige. On va délire comme ça. Et on a ensuite les klaxons. Du coup, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait un petit tri. Parce que je crois qu'il me reste encore des klaxons de l'an dernier. Et pas mal de passereaux. Je vais les déposer vite fait pour pas être trop plein. Voilà, parce qu'on s'en fout un petit peu de tout ça. Hop. Hop, espace insuffisant, d'accord, c'est super. Les klaxons joyeux, ok. D'ailleurs, attendez, les passereaux, j'ai regardé vite fait ce que j'ai. Je vais les supprimer, je pense. Celui-là je vais le garder, course flamme on s'en fout un petit peu. Et celui-là, je sais même plus c'est quoi. Ok, avant-garde, on s'en fout un petit peu. Allez c'est parti les gars, on va ouvrir les colis. On espère vraiment avoir du lourd. Alors franchement moi je veux vraiment les armures cristallines, c'est vraiment ce que j'attends. Donc on va utiliser le premier. Ok, donc déjà un passereau, un klaxon, ok, et rebut des neiges, ok, franchement celui-là il était pas terrible les gars. On va regarder par la suite hein, les passereaux, mais celui-là il était vraiment pas terrible, on peut voir beaucoup mieux. Et d'ailleurs attendez, j'ai pas eu d'ornement. Et ouais, j'ai pas eu d'ornement, tu sais pourquoi? Parce que mon inventaire est plein je crois. Alors attendez. Mais espace insuffisant, je suis plein partout, on va supprimer ça. On va supprimer des trucs les gars. On va voir si ça marche ou pas. Donc ça on supprime, on s'en fout. Ça on garde les munitions lourdes. Ouais. Ça utilise, on va mettre. Ok, ça utiliser. Et ça, supprimer les raisins secs. Ouais, supprime, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas très important. Ok, du coup on va regarder un petit peu. C'est bizarre que j'ai pas eu d'ornement. J'aurais dû avoir un ornement du coup. Allez c'est parti, on ouvre le deuxième. Il me reste 9, le deuxième. Ok, chroma vert, klaxon, coiffe du givre. Et en fait je suis bête les gars, c'est normal que j'ai pas eu d'ornement parce qu'en fait j'ai eu les... Maintenant qu'on tient forcément. Ah non, c'est un de tout ça. Ok, soit l'ornement, soit ça. D'accord les gars, je viens de comprendre le délire. Du coup, ok, donc là on a eu un petit casque. On va regarder par la suite, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Ok, je viens de comprendre en fait, je croyais qu'il y avait forcément deux trucs, mais non. Ok, donc là j'ai eu les bottes encore. Ok, un chroma, les chromas on s'en fout un petit peu. C'est parti, on va regarder la suite. Ok, donc là par contre brassard du gel. Donc ça c'est pas mal, c'est le brassard de l'armure que je veux absolument. On ouvre le suivant. Ah, on a un premier ornement les gars. On va regarder par la suite ce que c'est. Premier ornement. Encore un ornement, épine de la corruption, ça je sais que c'est celui qui va sur le chardon. On a les gants cristallins les gars également. Donc allez, j'aimerais bien avoir encore un petit peu d'armure cristalline. Non, on n'est pas très chanceux sur l'armure par contre pour l'instant. Ok, on continue, on ouvre. Chroma,
pas très chanceux. On va pas se mentir, ça fait cher pour ce qu'on a pour le moment. Ah, on a le casque, les gars, le casque. Du coup, hop, il manque, si je dis pas de conneries, le torse et les bottes. Ok, on a eu un passereau, donc on n'a pas eu toute l'armure. Du coup, voilà, j'ai ouvert tous mes 10 trésors. Faut savoir que les trésors, vous allez pouvoir en avoir régulièrement, soit en faisant, il me semble, des assauts épiques. Donc le premier assaut épique de la semaine va vous en donner. Soit le premier PVP de la semaine, donc le bien faire le mode PVP de la semaine, vous donnera évidemment un trésor également pour avoir ces armures-là. Donc c'est parti. Alors j'ai eu deux fois le casque ici. Coiffe du givre, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, ouais, c'est, en fait c'est une coiffe. Bon, vous pouvez, je pense que vous pouvez mettre un chroma dessus si je dis pas de bêtises. On peut mettre un chroma. Bon, après, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Je vais mettre un chroma si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pas le chroma blanc. Par contre, je crois que j'ai le chroma orange. En plus, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai supprimé tous mes chromas de l'an dernier. Bon, donc ça fait un petit style comme ça, un petit style orange. Bon, avec toute l'armure, ça peut faire assez joli. Mais vraiment, je suis content d'avoir eu ça là. Regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique. Arête cristalline, elle est magnifique, les gars. Ok, intelligence, discipline. Alors vous voyez, c'est en 3 défenses. Après il faut infuser bien évidemment. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais enlever mon... Hop. Voilà, là c'est classe quand même. Regardez-moi ça. Avec les gants clés ici. Ah ouais. Oh là là. Et le brassard, ah ouais, il manque le reste, c'est dommage. Parce que, ah, elle doit être vraiment classe l'armure comment là, franchement, avec un autre vêtement et tout, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. On a également les gants du givre ici, donc pareil en 3 de défense. Bon, ça franchement, c'est pas l'équipement que j'attends le plus, mais franchement, l'armure cristalline, j'aimerais bien l'avoir en entier. J'espère que je vais être un peu plus chanceux dans les colis qui vont être gratuits. Pour le coup, j'ai également les bottes de givre ici. Ok, les brassards, ok. Alors du coup, également, j'ai dû avoir... Si je dis pas de bêtises, les passereaux. On va regarder un petit peu les passereaux qu'on a pu avoir, les potes. Alors, les passereaux. On a eu 2 passereaux. Donc, Mirage EV50. Qui, franchement, il est assez joli. J'aime beaucoup. Voilà, déstabilisateur. Ok, pour faire des figures, etc. Alors, déplacer. Et là, ok, pour faire les figures. Ok, impeccable. Et on a eu Illusion. Il est pas mal également, SRL, avec le petit logo à l'arrière qu'on retrouve ici, le logo sur la coque. Franchement, il est pas trop mal. Je m'attendais à pire au niveau des passereaux. C'est vrai qu'il est assez sympa également. On a eu les petits klaxons. Alors attendez, je sais pas, je vais monter le son du jeu pour vous, pour qu'on entende bien les 4 klaxons que j'ai pu avoir. Ok, alors voilà les gars, excusez-moi, j'ai eu un petit contre-temps. Alors voilà, inspectez. Donc le klaxon siffle en premier, je vais monter le son du jeu pour que vous entendiez bien. Ok, donc là c'est en mode un peu flûte de pan, j'ai envie de dire. Ok, le deuxième klaxon d'alerte. Ok, ouais, c'est un petit délire. Klaxon de scintillant. Ah là, il est en mode, tu sais, Noël un petit peu féerique et tout. Ouais, c'est pas mal. T'arrêtes, c'est en mode... c'est pas mal. C'est dans l'esprit de Noël, on va dire, voilà. Et klaxon dramatique. Wouah, là t'arrives, tu sais, c'est le méchant qui arrive dans le conte de fées, le méchant qui arrive. Ça fait penser à ça en tout cas. Enfin voilà, donc ça c'est les passereaux qu'on a pu avoir. Les klaxons également. Bon, sinon on n'a rien eu d'autre en fait. C'est vrai que, alors j'ai payé 20€, je crois, j'ai mis 20€ d'argentum pour tout ça. Bon, ça fait un petit peu cher, c'est vrai. Sachant que bon, il me reste encore un petit peu d'argentum, mais je vais pouvoir m'acheter quand même une ou deux petites emotes. Ça, je vais regarder par la suite. Voilà, je vais faire mon choix. Et ah oui, je voulais voir également, bah regardez. Ici il y a un mec. On peut le voir, donc comme ça, ça sert à rien que je l'équipe, les gars, parce que je pourrais en équiper qu'un des deux. Donc il y a eu Rebut de neige, vous voyez, c'est ça. Donc c'est une tête en fait d'un bonhomme de neige qui a l'air assez vénère, avec un petit chapeau ici, puis des petites branches sur le crâne, voilà. Et du coup, moi j'ai pouvoir équiper le deuxième comme ça. Ça tombe bien qu'il y ait un mec à la tour qui l'ait équipé, vous voyez. Et du coup, le deuxième, voilà, souvenir du pic de Fellwinter, du coup. Eh ok, bah on a la tête dans un glaçon en fait, voilà. Ah, avec de la neige qui tombe quand on bouge, c'est ça. C'est le délire. Bon, il y a un petit bug graphique. Ouais, une espèce de petite neige qui bouge. Bon, vous voyez qu'il y a un petit bug graphique également. Il y a un peu de neige qui bouge à l'intérieur. En tout cas, voilà. J'ai ouvert les trésors. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je vais pas vous mentir. Il y a des trésors d'habitude que je trouve assez intéressants. Parce qu'on peut looter des emotes, des choses comme ça, etc. Là, franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Bon, après, il me semble que les trésors sont moins chers que ceux d'habitude. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'avant, vous voyez, on avait un trésor pour 200. Non, c'est le même prix. Je dis des conneries. Du coup, voilà, c'est le même prix. Par contre, on a la possibilité de les acheter par 3 ou par 5. Donc, heureusement, on est gagnant là-dessus. Par contre,
Ça fait un petit peu cher, j'ai pas eu toute l'armure, je suis un petit peu déçu. J'espère que je les aurai au moins dans les colis qui seront gratuits. En tout cas, j'espère vraiment que cette ouverture de colis vous a plu les potes et que cet événement vous plaît. Voilà, c'est présent jusqu'au 3 janvier, franchement, profitez-en, les vacances arrivent. Profitez-en de ce côté un petit peu Destiny parce que franchement, c'est magnifique. On va vous présenter un petit peu tout ça dans une autre vidéo, mais franchement, c'est super joli. Et je vous dis, franchement, profitez bien de cet événement les gars et prenez soin de vous. À très bientôt, tchuss.